Monsieur le Président, Monsieur l'Avocat Général, Messieurs les jurés, c'est parce que j'ai été mis en cause que je me présente devant vous. Mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est aussi et surtout pour vous dire tout ce qu'on ne vous a pas dit durant ce procès. Et d'abord, que tout au long de l'instruction, une constante pression a été exercée sur le magistrat que je suis. C'est un scandale. Monsieur Level abuse de sa fonction pour influencer la cour. C'est proprement intolérable. Maître. Silence! J'ai déjà dit que je n'admettrai aucune manifestation. Si mon dossier est truqué, je demande où sont les truqueurs. Enfin, laissez-le parler, quoi! Silence! Je vous préviens, c'est le dernier avertissement. Poursuivez. Pourtant, j'ai tenu bon. Et voici pourquoi. Je croyais comme vous que le droit n'avait qu'à paraître pour que recule sa vieille ennemie, la force. Je me faisais des illusions. La justice n'est que l'équilibre entre les mensonges. Et la balance finit toujours par s'incliner du côté où la pression la plus forte est exercée. C'est une leçon que Maître Graziani m'a apprise aujourd'hui. Et je l'en remercie. Il m'accuse de parti pris. Il insinue que j'ai voulu faire le procès de la police. Lui qui s'entend si bien faire celui d'un simple juge. Je tiens tout de suite à le rassurer. Je sais. Je sais, maître, que la police est le meilleur allié de la justice. Mais je sais aussi que dans l'instant où elle se substitue à elle, c'est la civilisation tout entière qui est en péril. Vous me direz que nous n'en sommes pas encore là. Dieu merci, oui. Heureusement, nous vivons dans un pays où les chambres de torture n'ont pas encore remplacé les prétoires, où de telles pratiques et de tels hommes sont l'exception. Cependant, je vous mets en garde. Si vous rendez aujourd'hui un verdict d'indulgence, vous leur donnez raison. Et si vous leur donnez raison, demain, l'exception sera la règle. Et si un jour, on ramène chez vous le cadavre de votre fils, comme on a ramené celui de Michel Soja à sa veuve, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous, et à vous seul. Je sais qu'en agissant de la sorte, j'ai proprement scié la branche sur laquelle j'étais assis. Sans doute vais-je bientôt me retrouver juge dans un canton de Basse-Auvergne. Ça n'a pas d'importance. J'adore la campagne. Maître.